Yo les choux, comment ça va les gars? Hey YouTube, j'espère que vous allez bien. On se retrouve en ce lundi très pluvieux mais ensoleillé ici dans les choux pour une déco incroyablement lumineuse et kawaii. Bah n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à activer la cloche pour être au courant de toutes mes vidéos, à me mettre un petit like si vous faites partie de la team des choux. Si vous avez un code onirique, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, comme ça j'irai voir vos deals et peut-être qu'elles passeront dans une visite deal. Et nous on y va, c'est parti, let's go! Du coup, est-ce que vous reconnaissez cet endroit? Ici il y a la tombola. Il y a Nadine qui fait son sport. Et donc, j'ai construit tout un truc, regardez. Du coup, là, j'ai fermé. Normalement, on passait d'habitude. Ici, on passait. Et en fait, j'ai fermé. Ici, il y a Méli Mélo. Et du coup, look at this. Ici, du coup, en haut, j'ai mis les sœurs doigts de fée. Ici, on va faire du coup un petit coin avec plein de mannequins, plein de motifs. Histoire de mettre un petit peu des habits sympas. Et pourquoi pas un petit stand, etc. Derrière, on a un côté rizière un peu sympa aussi. Genre avec plein de petites rivières. Et du coup, la pièce maîtresse. Tadam ! Ce serait un pont kawaii arc-en-ciel qui partirait de là jusqu'à de là. Et du coup, on va faire ça, les gars. Et puis après, du coup, on arriverait chez moi. Et donc, j'ai enlevé la rampe juste à gauche. Et relié, du coup, le musée à cette plateforme-là. Pour mettre ma maison ici en fait. Et du coup, ben, au bout du pont, il y aurait ma maison. Dame le pont! Hey, yes, Pony! Ça va être magnifique, merci Lily. C'est super beau, trop bien le pont. Ah, ça me fait plaisir que vous kiffiez aussi. J'ai grave kiffé ce pont qu'on a vu, je sais pas si c'était jeudi ou jeudi passé. En visite d'île, il était incroyable. Et je me suis dit, j'aimerais trop en avoir un. Et du coup, on a la maison de Kabuki à gauche. Petit Méli Mélo, voilà. C'est en travaux ici hein, pour Kabuki. Hein. Les statues lion gardien et Kabuki qui est du coup là. Il va avoir un petit jardin fermé avec des clôtures en bambou. Et je trouvais ça bien de séparer les deux et d'avoir vraiment une grosse séparation. Donc voilà. Du coup, je vais déposer tout ce que j'ai dans mes poches et on va prendre le motif. Bon, alors du coup, petit motif. J'espère que je vais trouver comme ça. Hein. Parce que j'en ai trouvé un, mais en fait, il y a des petits clous. Aux deux bords et j'ai peur que en fait ça n'aille pas parce que c'est pas assez large. Mais tu vois, ça n'ira pas parce que c'est trop fin. Il faut vraiment qu'il y ait plusieurs motifs et qu'il y ait deux couleurs sur un motif par exemple, je pense. Tu vois, plus comme ça déjà. Je veux plus un truc quand même un peu plus pastel. Après, tu peux aussi les créer très rapide. C'est rapide. Ah ouais, c'est vrai. Ah, il y avait celui-là ouais, qui était pas mal sinon. Mais bon, il y a quand même du brun. C'est dommage qu'il y ait du brun. Je veux pas de brun, moi. Je te mets une photo sur le Discord. Merci, Deadchild. Tu mets ça dans Photo Hill. Écoute, on fait avec les clous, tant pis. Il y a des clous, certes. Mais il y a toutes les couleurs. Alors, c'est intéressant quand même. On va voir. Écoutez, on teste. On va tester. Allez, Stipper, remodil. J'ai trop hâte de mettre les trucs, là. Ah, j'ai trop hâte de voir. On commence, du coup, par bleu. Wesh, on dirait qu'il dépasse. Mais les gars, il dépasse mon motif, vous avez vu? C'est un bug ou quoi? Après, on met orange. Eh, franchement, ça donne pas trop bien. Mets du sable en dessous. Ok, je mets du sable en dessous. Ah là 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 là, je ferai quoi sans vous? Je sais pas ce que vous en pensez. Oui, mais ça fait bizarre les bords, non? Team sable ou team pas sable? On préfère quoi du coup? Bah, le problème, c'est que ça le raccourcit un peu, quoi. Et qu'on voit peut-être un peu moins les couleurs. Est-ce qu'on verrait pas peut-être un peu moins les couleurs? Je vais refaire le même sans les clous et sans les trous, je pense. Bon, one shot. J'espère que je vais réussir. Déjà, il me faudrait une palette pastel. Alors, il faut un bleu comme ça, non? Il est un peu plus bleu. Comme ça, peut-être. Voilà. Après, il faut bleu clair. Voilà. C'était pas compliqué, hein? On va appeler ça Rainbow. Rainbow 1. Voilà. Est-ce que ce sera pas mieux comme ça? Vous en pensez quoi, vous? Peut-être faire une ligne fine qui sépare les deux couleurs, ça aurait l'air plus réel, je pense. Bah alors, on prend l'autre, hein, s'il faut des trous. Hein. Ouais, c'est bon. Je vais pas me faire chier pour rien, alors. Hein. Si c'est pour faire le même que celui qu'on a, on fait avec ce qu'on a. Allez, c'est bon, allez, on continue. Mais sans les clous. Oh, c'est pas pour des clous. Hein. Ils sont très bien, les clous. Incroyable, j'ai jamais vu des clous aussi beaux. Puis ça fait planche, du coup. Hein. On a l'effet planche. Voilà, nickel. C'est incroyable, parfait. C'est très bien. Merci, Giscard. On est d'accord. Regardez-moi ce pont incroyable. Ta-ta-da! Waouh! Bisous, bisous.
Gentil bisounours. Waouh, c'est trop mimes. Et du coup, là, est-ce qu'on peut mettre du coup... Attendez. Soit... Peut-être celui-là. Mais je me suis fait arnaquer, c'est quoi ce truc là? Ouais, c'est trop clair. Hein. Attendez, j'en ai pris un autre. Il va être trop flash lui. Sinon, il y a celui-là. Je sais pas lequel sera le mieux pour... Peut-être celui-là est pas mal. Hein. Attendez, je vais prendre une glace. Je prends une lampe Nova. Je prends un palmier. On va tenter tout ça et on va voir ce qui donne le mieux, ok? Ma boîte aux lettres. Attends, ma boîte aux lettres, c'est vrai. Oh, Charlotte, merci. Et coucou, Twé. Avec ceci? Point d'interrogation? Peut-être, on va aller voir. On va tenter tout ça et on va voir. Bon alors, on teste. On a le choix entre... Oh là là, les palmiers prennent trop de place. Non! Franchement, le palmier, il donne grave bien, mais pourquoi on peut pas le pousser? Il prend trop de place. Franchement, lampe carnaval, pas mal. Et du coup, les cadeaux de Charlotte. Ah, panneau arctique, ça peut être bien, non? Attendez, on voit. Dites-moi ce que vous préférez. Oui, de toutes les couleurs. Les panneaux arctiques, ils sont bien. Des panneaux en arc-en-ciel. Ok, Lila. Bon, ben écoutez, si vous avez des panneaux arc-en-ciel, parce qu'il va m'en falloir combien, franchement? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 ou 12, non, il en faudrait. Chaise bambin. À quoi elle ressemble, la chaise bambin? Boulet! C'est pas mal, les lampes carnaval. Hein. Et ça, je pense le mettre vers les sœurs doigts de fée. Et si on met un stand de glace, là? Là, on met un stand de glace. Et puis après, on met des habits. Et est-ce que quelqu'un... Attendez, attendez. On va voir si je l'ai déjà. J'ai une idée. Je veux peut-être pour le stand, alors on fait cette idée que j'ai trouvée, là. Comme un espèce de... De van, j'ai le craft, mais il me faut la petite banquette. Go trouver la banquette. Pourquoi j'ai pas? Je croyais que je l'avais cette banquette. Oh là là. La banquette vintage, là, un peu années 50, qui va avec ce bar là. Et la Florinette. Coucou Florine. I'm go to Mango Beach, yes. Hey Florine, tout de pink vêtu, tout de rose vêtu. Yes, Wasp. Stylé la Wasp. J'adore. Oh, Florine a tout emballé, je rêve. Ouais, c'est des panneaux arctiques, voilà, c'était ça. Oh, mais les gars, waouh. Florine, t'abuses pas du tout, t'as tout emballé, en plus t'es trop chou, Florine. Et voilà, Dead Child, fantôme piégé de Dead Island. Waouh, Dead Child. Oh, angélique du coup. Côté ange aujourd'hui. Bye, Florinette. Cœur sur toi, Florine. Merci beaucoup, Florine. Mais regardez tout ce qu'il y a. Bon, tout ça, c'est japonais, ok? Donc je vais ouvrir ça après. Cœur sur les choux et toi, merci, Florine. Et cœur sur Dead Child, merci. J'ai même pas... Eh, vous êtes tellement rapides, les gars. Je viens avec vous. On se casse tous. Oh là là, elle m'a mis des pagodes aussi. Ah, la banquette, elle est là, trop bien. Papa panda, c'est trop gentil. T'as de pétales cerisées, c'est grave gentil aussi. On prend les panneaux, on va les custom. Ils vont où, tous les deux, là? J'ai cru que Didi, elle allait chez Lico. Qu'est-ce qu'elle fout chez Lico, la Didi? Lisa, t'as joué 925 heures sur ACNH. Eh ben, les gars. Oh, il est trop mignon, Lilou. Regarde un peu ton Robert, comme il se plaît bien. Oh, il est trop beau, j'adore. Je voulais trop des habitants qui courent. J'aime trop, j'ai envie de courir avec lui. Viens, on court. Ouais. Tu vois que je joue avec Robert. Waouh, 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 waouh. Il y a toutes les couleurs. Il y en a combien de couleurs? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il en faut 7. Des trucs de personnalisation, c'est une blague. J'en ai combien des panneaux? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Parfait. Mais je vais aller me ruiner là. Il me faut 84 kits de personnalisation, c'est une blague. C'est abusé quand même. 35, 40, 45. Bon, j'en fais deux bleus. Ok, les deux bleus sont faits. Rose. Jaune. Ok, j'en ai fait un jaune. Jaune, j'ai fait. Ok, orange. Vert. Il est chelou le vert. Hein. J'ai tout fait à part la dernière couleur. Ok, du coup, là il faut que ce soit orange, non? Bon, jaune c'est bien aussi. Du coup, en face, jaune. Comment je peux savoir? Je vais galérer, en fait. Ah là là. Oh zut, hein. Je trouve pas le jaune. Franchement, c'est stylé, hein. Où est le deuxième panneau orange? Mais t'es pas orange, toi. C'est une blague. On s'est foutu de ma gueule, là, quand même. Ah! Non! Ah! Bah enfin! Mais vous aviez raison, hein, ça gâche pas la vue. Hein. Franchement, c'est pas mal. Hein. Allez, go personnaliser les deux derniers. Du coup, il me manquait. Vas-y, violet, c'est grave beau. Trop beau les violets, grave. Franchement, j'adore, moi. Punaise, c'est bien, les panneaux, là, ils prennent pas beaucoup de place, de ouf, du tout. Je trouve ça cool, comparé aux lampes palmiers qui prennent trop de place. Tadam! La banquette, elle sera là. Alors, est-ce qu'elle est mieux en jaune ou est-ce qu'elle est mieux... Pas du tout la pagode que je voulais prendre. Ouais, je me suis trompée. Au lieu de prendre la rouge, en fait, j'ai pris la pagode. Du coup, je l'ai pas. Mais du coup, ce serait là.
et après il y aurait le stand de glace. C'est un peu trop, non? Ouais, un peu gros, je trouve. Ça va faire trop lourd. Ouais, je pense aussi. Hein. Je vais aller voir ce que j'ai là-bas derrière. Qu'est-ce qui pourrait aller? Ou pas de lampe, mort de rire. Mais quoi alors, Charlotte, si pas de lampe? Dis-moi un peu, tu penses à quoi, toi? Attendez, je prends ça pour tester quand même. Dans ma petite brocante personnelle. Regardez, la lampe Nova, c'est trop gros. Vraiment, c'est trop gros. Franchement, c'est trop gros, ça dépasse, c'est pas beau du tout. Palmier, ça va pas. Lampe carnaval, on va essayer. C'est pas trop mal, la lampe carnaval, en vrai. Mais est-ce que ça fait pas trop carnaval? Bon, vous en pensez quoi? En imaginant que là, ce serait jaune, que là, ce serait rose. Ça peut être sympa, non? Alors, où est-ce que... Ah, bah, c'est là. Voilà. Du coup, on prend rouge, on prend jaune ou on prend vert? Jaune, jaune. Ok, jaune. Oh! Regardez-moi ça. Ce petit stand de glace. Et du coup, derrière, hop, coucou. Vous voulez une glace? Je prends un stand comme ça. Et go le craft! Je le laisserai bien en beige, mais par contre ça, go motif perso. Il m'aurait fallu un truc en vertical. Celui-là en vertical, mais c'est pas grave. Oh, mais du coup, je peux plus. Coucou, je suis cachée. Je trouve ça trop beau. Alors là, c'est pas trop beau ça. Franchement, je trouve ça trop trop joli. Ça va trop avec le cinnamorol, le parasol et tout. Et franchement, on aura bien avancé. Hein. On aura fait le petit stand ici. Le pont. Franchement, pour un live, il est quand même hyper productif. Un live déco hyper productif quand même. Mais les gars, c'est pas trop mignon. Franchement, on se fait un petit résultat des courses du live. On a... Bon, ici, c'est encore en travaux. Devant les sordois de fée, je sais pas encore ce que je vais faire. On a notre petit bar à glace, là. Notre petit food truck de glace. Grave mignon, franchement. Je vais encore le terminer. Je sais pas encore ce que je vais mettre dessus parce que ça me paraît un peu vite. Peut-être encore des chaises et tout. Et donc, voici notre pont qu'on a fait ensemble aujourd'hui. Il est incroyable. Franchement, je trouve qu'il pète. Et en fait, au fond, là, il y aura ma maison. Donc, je vais encore rajouter plein de falaises. Et il y aura ma maison au bout. Comme ça, ça fera un truc de ouf. Ce sera très coloré et sera très joli. Franchement, il est incroyable. Et voilà, YouTube, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. En tout cas, nous, on a bien kiffé. On a bien avancé. Franchement, pour un live déco, c'est grave chaud d'avancer assez. Et je trouve qu'on a quand même bien avancé. On a fait un super pont. Merci à tous ceux qui sont venus m'apporter des choses et qui m'en ont envoyé. Vous m'avez sauvé la vie parce que franchement, je n'aurais pas eu ce résultat si vous n'étiez pas là. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que ce pont vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez aimé et si vous aimez cette décoration. Dites-moi votre avis en commentaire. Si vous n'aimez pas, dites rien. Il n'y a pas besoin. Hein. Dites juste si vous avez aimé, sinon on s'en passe. Si vous avez regardé la vidéo jusque maintenant, mettez arc-en-ciel dans votre commentaire et n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche, de mettre un like si vous êtes un chou. Et nous, on se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Bye!